La méditation de ce 24 août est intitulée « Le signe distinctif du peuple de Dieu ». Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel 20, 12. Comme le sabbat était le signe caractéristique d'Israël lorsqu'il sortit d'Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre, de même ce jour est désormais le signe distinctif du peuple de Dieu lorsqu'il sort du monde pour entrer dans le repos céleste. L'observation du sabbat est le moyen ordonné par Dieu pour préserver sa connaissance et afin de faire la distinction entre ses fidèles sujets de ceux qui transgressent ses commandements. Le sabbat appartient au Christ. Puisqu'il a fait toute chose, il a aussi fait le sabbat. Par lui, il a été mis à part comme un mémorial de l'œuvre créatrice servant à le désigner comme le Créateur et comme celui qui sanctifie, proclamant que celui qui a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre et qui les soutient est aussi le chef de l'Église, par le pouvoir de qui nous sommes réconciliés avec Dieu. En parlant d'Israël, il dit « Je leur donnerai aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour leur faire connaître que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Ézéchiel 20, 12. C'est-à-dire qui les rend saints. Le sabbat est donc un signe indiquant que le Christ est capable de nous rendre saints. Et il est donné à tous ceux que le Christ sanctifie. En tant que signe de son pouvoir sanctifiant, le sabbat est donné à tous ceux qui, grâce au Christ, sont incorporés à l'Israël de Dieu. Le sabbat sera un sujet de délices pour tous ceux qui le reçoivent comme un signe du pouvoir créateur et rédempteur du Christ. Le sabbat leur fait voir dans les œuvres de la création une preuve de son infinie puissance rédemptrice. Tout en évoquant le souvenir de la paix perdue de l'Éden, il fait penser à la paix retrouvée par le moyen du Sauveur. Ainsi, tout ce qui est dans la nature répète son invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le sabbat est une agrafe d'or qui unit Dieu à son peuple. Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel 20, 12. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.